Ouais, shalom, je suis le prophète Joël Crasso. Nous sommes à cette date du 28, samedi 28 février 2015. Je suis à ma résidence à Divo. Voilà, je suis à ma résidence parce qu'il y a ma résidence, et puis il y a l'état-major qui est le cabinet d'écoute et de délivrance. Je suis juste en fait derrière la Sainte Pièce, la clôture de la Sainte Pièce de Cathé Plateau. Et moi, je suis bien sûr plateau aussi, mais à ma résidence. Justement, je fais cette vidéo pour cette vidéo. Parce que ça fait depuis 4 jours, les gens ne font que m'appeler parce que y a des mauvais langues qui auraient dit à certaines personnes que mon voyage n'est plus possible. En fait, je ne dis pas ça pour amener aux gens de forcement, non. Mais pour dire aux gens, je comprends un peu le combat qu'ils me font. Hein. Ils sont en train de me combattre parce qu'il y a un réseau de sorciers en France. Tout à l'heure, j'ai balancé 2 vidéos, malheureusement, qui ne sont pas, et où il n'y a pas de son. Donc, je suis obligé de refaire encore une autre vidéo, une dernière vidéo. Voilà, donc c'est pour ça que je repose encore cette vidéo. Excusez-moi pour les toutes dernières vidéos parce qu'il y en a 2 qui sont déjà en ligne sur le Facebook. Voilà, donc j'ai été choqué donc, par rapport à 4-5 personnes qui venaient de m'appeler tout à l'heure. Je viens d'une veillée de prière à Zaroko. Nos combats consistent à la destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous ne provoquons pas des gens, nous ne sommes pas comme des pasteurs, nous ne sommes pas contre une communauté. Ils ne sont pas contre des gens, mais malheureusement, je pense que les gens doivent comprendre qu'il faut aider certaines personnes, et surtout que sachant que nous avons d'autres personnes. Oui, parce que je sais ce qui se passe. Les gens ont voulu prendre certaines choses. Aujourd'hui, à Paris, ce n'est pas un problème. J'ai déjà tout, mais pas. J'ai dit tout pour arriver à Paris. Ce n'est pas un problème, j'ai déjà tout. Mais quand je serai à Paris, je vais vous annoncer mon arrivée à Paris parce que j'ai des gens qui ont besoin d'être traqués, qui seront traqués, qui seront traqués. Et qui feront des aveux parce qu'ils sont en même temps à Paris, mais ils font de la sorcellerie. Ils sont en même temps dans les églises, c'est des sorciers qui ont le vêtement des hommes de Dieu à la fois, mais des sorciers qui m'attaquent. Ben, je n'ose même pas, non, parce que pour moi, ce n'est pas parler de quelqu'un. Mais je suis vraiment emmerdé depuis un moment. On m'appelle, ce, cela, prophète Crasso, tu veux venir à Paris, ce, cela. C'est fait. En fait, c'est une chose faite. La date est fixée. Je serai très bientôt à Paris et j'aurai l'occasion de communiquer sans problème. Pour moi, il faudrait que tu sois béni. Paris, c'est pas mon problème. Mais je viens pour t'aider, justement. C'est pas en question de le prophète Prasso, patati patata, Paris. Paris, je viens pour t'aider parce que la France. J'aurais déjà. D'ailleurs, même j'en profite pour vous dire il y a 4 villes. On aura Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux. Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux. Déjà, au niveau de certaines choses, c'est déjà fin prêt. Je rentre très bientôt. J'en profite en même temps par rapport à cette vidéo. Je serai très bientôt dans un autre pays. Je n'irai pas encore au Togo pour des séances de délivrance très bientôt, la semaine prochaine. Ah, le prophète Crasso est beaucoup actif. Voilà, donc, gloire à Dieu. Le combat, il continue. Vous qui êtes sorcier, vous qui vous opposez à mon arrivée à Paris. Très bientôt, Jésus sera Seigneur et vous serez béni plutôt, afin de pouvoir, n'est-ce pas, venir en Afrique, venir en Afrique pour investir. Voilà. Parce que pour nous, il faudrait que toi, pour moi, il faudrait que toi qui es en France, qui es dans un pays européen, qui est quelque part, parce qu'il ne faudrait pas voir l'Afrique forcément comme la sorcellerie, une présente sorcellerie. L'Afrique a besoin de toi pour se faire développer. Parce que les Blancs ont combattu la sorcellerie. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, l'onction que Dieu m'a donnée, c'est de détruire vous les sorciers. Je serai à Paris, c'est fait, c'est fini, et c'est fini. Shalom. Je vous aime bien, même les ennemis, les sorciers. Je suis prêt à vous aider.